Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo produit fini. J'en ai un secret paquet et je vais commencer tout de suite. Donc je vais commencer tout de suite par mes produits du projet Tenpan parce que oui, j'en ai encore fini quelques-uns. Alors j'ai fini de nos régions du talent l'eau florale de romarin matifiante. Donc Tenpan, c'est marqué. Donc si vous voulez plus de précisions sur ce produit, je vous invite à aller voir ma vidéo à thème mes produits matifiants. Je pourrais le racheter, mais pour l'instant, j'en ai trouvé d'autres. Ensuite, de la marque de, My Little Box, donc My Little Beauty, la crème main. Donc Tenpan toujours. Je ne la rachèterai pas, même si elle est très bien, elle sent très bon, elle est très agréable, mais je ne la rachèterai pas parce qu'elle est assez chère. Et vous en trouvez des aussi bien dans le commerce quoi. Ensuite j'ai fini mon fond de teint de chez L'Oréal, l'accord parfait. Alors on a toujours l'impression qu'il y en a, mais je l'ai secoué dans tous les sens et il n'y en a plus. Donc toujours Tenpan. Je l'ai déjà racheté, mais pour l'instant j'en utilise un autre, mais ce produit est très très bien. Ensuite j'ai fini mon All About Eyes Rich, donc le baume yeux anti-poche anti-cerne de chez Clinique. Là j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Il est assez cher quand même, je sais plus, presque 40€ je crois, mais il est très bien, il est très agréable, très épais, mais je pourrais le racheter mais plus tard, pour l'instant j'en ai tout à terminer. Et en dernier dans le projet Tenpan, j'ai terminé ma poudre de chez Maybelline, donc la poudre libre aérienne. Pour velouter et unifier en transparence, non desséchante, blablabla, blablabla. Donc c'est celle-ci. Cette poudre, je l'adore, elle sent super bon, elle est très agréable, elle est très douce. J'en ai une autre en stock. Donc voilà. Mais pour l'instant, j'en utilise une autre, j'utilise la Makeup Forever. On va continuer avec les soins, on va dire visage. J'ai terminé le gros bidon de Créaline, la solution micellaire. Donc je l'ai en petit format, je l'aime bien, je la rachèterai. J'ai terminé le super démaquillant duo waterproof de chez Sephora. Donc là par contre c'est les produits dits normaux. Donc le super démaquillant duo waterproof donc de chez Sephora, celui qui est biphasé, il en reste un petit peu mais j'arrive pas à le... ce produit est très efficace, il enlève très bien le maquillage, mais sur la fin, je sais pas, il me brûlait les yeux, donc peut-être que mes yeux, le contour de l'œil, quoi, peut-être il ne supportait plus. Et je le remplace par le Nivea. Ensuite j'ai terminé un échantillon de l'eau démaquillante micellaire de chez Nuxe que je pense racheter en grand format parce qu'elle sent très très bon. Elle est très agréable, elle pique pas les yeux et elle démaquille vraiment très très bien en plus. Donc je pense la racheter. J'ai terminé un masque de chez The Body Shop, donc à l'arbre à thé. Je l'aime bien, oui. Oui ça va, c'est... Mais j'ai pas vu de... Enfin voilà quoi, j'ai pas vu de... truc flagrant. J'avais terminé celui dont je vous parle de chez Nivea. Enfin, je vous ai déjà parlé, vous savez que je l'aime beaucoup. Et j'ai terminé celui que j'avais eu dans mon... comment ça s'appelle ? Dans mon swap. Enfin, j'ai utilisé celui-ci à la grenade, je crois il était. Grenade et passiflore. Voilà. Qui est très agréable, qui sent très bon. Qui est rouge, il reste des petites voilà et c'est pareil, comme j'en ai eu qu'un, on peut pas tellement voir de changement. Ensuite j'ai terminé mon parfum, j'ai les boules de chez Boule mais bon tant pis, mon couture de chez Jeanne Lanvin. Donc j'ai terminé, j'adore ce parfum, j'irai le racheter je pense, pour l'instant j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5 je crois, donc ça peut encore attendre, mais voilà. Un autre soin, ouais je vais mettre ça dans le soin, c'est mon shampoing sec de chez Baptiste, donc le Brit, que j'aime beaucoup, j'adore son odeur, il est super agréable, il sent bon, j'adore son odeur donc il sent bon en même temps, il fonctionne vraiment très très bien et j'aime vraiment
les produits Batiste. Franchement, les shampoings secs comme ça, ils sont vraiment géniaux. Ensuite, alors, je vais vous montrer, j'ai utilisé deux colorations. Donc en ce moment, j'ai celle-là sur la tête. Donc c'est la Schwarzkopf Brillance. Et c'est la teinte 845 rouge brocart. Voilà. Et un peu avant, enfin c'est celle que j'utilise d'habitude tout le temps. Mais elle était plus, quand j'ai été pour racheter ma coloration, elle y était plus. C'est, elle plaît beaucoup celle-ci. C'est celle de chez Olia, la 6.60, la rouge intense. Et celle-là, je l'avais faite bien avant. Ensuite, je vais vous faire tous les produits corps. Un corps sous la douche quoi. Alors je vais commencer par celui-là parce que c'est celui de ma fille. Oui. C'est le gel douche gommant à la fraise de chez The Body Shop. Donc elle l'avait senti en magasin et elle l'a voulu, donc on lui a pris. Ça fait une éternité qu'elle l'a, mais alors une éternité. Et elle vient juste de le terminer parce que elle a 5 ans, alors vous imaginez bien le peu de peau qu'il y a à laver quoi. Voilà. Donc, puis c'est une petite fille, donc elle alterne beaucoup les gels douches. Elle aime bien. Oh non, moi je suis à la pomme. Aujourd'hui je suis à la fraise. Oh non, là je suis à l'abricot. Hein. Voilà. Ensuite, passons à moi. Donc j'ai fini. Je pourrais le racheter donc pour ma fille. De chez Bourjois, le gommage de rêve, douche soin exfoliante et nourrissante. Alors, j'ai mis un temps pas possible à finir parce que je n'aime pas l'odeur. Mais alors sincèrement, j'ai trouvé une utilisation. C'est que je l'utilise en gommage, ce dont il est destiné. Et après, je me rase, je laisse le produit et je rase les jambes avec le produit au lieu d'utiliser du gel à raser comme je fais d'habitude. Et ça marche super bien. Ça me fait des jambes super. Alors, j'aime pas l'odeur, mais il faut que je le retrouve juste pour pouvoir l'utiliser comme ça parce que franchement c'est une tuerie quoi. Ensuite j'en ai terminé un sur les deux que j'ai, c'est le Mon Savon au lait, donc l'un des nouveaux, lait, fruit de la passion et framboise, qui est juste une tuerie intergalactique. Ça sent le frais, c'est... pas moi, hein. C'est le gel douche, il a pété. Je m'ennuie! Attendez, on va faire. Prout! Pardon! Oh putain, je suis fatiguée, je crois! C'est marrant! Bref! Bref, ils sont super bons, il est super agréable, il est... c'est vraiment du lait quoi, on sent vraiment que c'est une touche de lait et c'est super agréable. J'en ai un autre et je rachèterai quoi, parce que j'adore ce produit. Ensuite, j'ai terminé un cottage donc à la pomme d'amour, que je ne rachèterai pas celui-ci parce que j'aime pas trop. Ça sent vraiment la pomme d'amour et je crois que je n'aime pas la pomme d'amour. Et sinon le gel douche agréable et tout, mais l'odeur, voilà. Je crois que c'est même ma fille qui l'a terminé. Ensuite j'ai terminé de chez Nuxe Body le gel douche fondant mousse fine sans savon blablabla aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Et je pense le racheter en grand, qui est comme ça. Parce que j'aime beaucoup, c'est super agréable, la mousse elle est super agréable, un petit peu comme la mousse nettoyante de chez Nivea. Ensuite j'ai terminé le cottage au sucre de violette que je vais racheter, je n'en ai plus en stock, ah j'ai les boules, mais il faut que je rachète, j'en ai pas dans mes magasins alentours, ça m'énerve. Mon Carrefour il est en train d'être refait, donc du coup tous les rayons sont un petit peu modifiés et tout, du coup il manque pas mal de produits, mais... sinon tant pis, j'irai chez Tati. Je me ferai mon stock. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce produit, mais ça vous le savez.
J'ai aussi terminé de chez Triacle Moon le gel douche gommant à la framboise que je remplace par lui-même parce que j'adore ce produit, ça sent tellement bon. Et je vais acheter le gel douche qui va avec parce que l'odeur c'est juste incroyable quoi, ça sent vraiment 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 super bon. Et voilà. Et puis ça gomme très très bien. Parce que c'est le but d'un gommage quand même, Mélanie. Hein, mais on dit rien. On dit ça, je dis rien. Hein. Ensuite, je fais tout tomber. Ensuite, je vais commencer par ceux de ma fille. Hein, parce qu'elle m'a dit, il faut les mettre. Elle m'a dit, maman, tu fais dans ta vidéo. Je suis d'accord. Donc, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Moi, avec les mots d'enfant, quoi. Hein. Donc, avec les mots d'enfant, le ultra doux enfant shampoing à la pomme verte et kiwi. Elle m'a dit, lui, il sent trop bon. Alors, à mon idée à moi, démêlage et brillance, oui, il démêle. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de nœud après, mais de toute façon, les ultra doux pour enfants sont vraiment bien. Franchement, vraiment bien. L'odeur, je suis pas trop bonne, moi. Mais elle aime bien, donc après, c'est sur sa tête à elle, pas sur la mienne. Mais il est pas mal. Ensuite, elle en a fini un autre, hein, le ultra doux shampoing à la camomille et miel de fleurs, donc pour cheveux blonds, parce que ma fille est blonde. Donc celui-là, il n'est pas pour enfants, mais bon, on s'en fout après. Hein. Et celui-ci, elle m'a dit... Attendez. Qui sentait bon. Ouais, je crois que c'est ça. Elle m'a dit, celui-là, il sent bon. Moi, pour mon avis, bah, c'est un shampoing, hein. mais je trouve qu'il lui fait des cheveux super doux, super lisses. Et parce que ma fille a des cheveux très très fins. Enfin très très fins, ils sont fins quand même. Et ça se démêle très très bien après. Parce que c'est pareil, elle a les cheveux qui s'en mêlent comme c'est pas possible. Et après c'est la guerre pour les démêler. Donc il est vraiment très très bien. Et voilà. Ensuite, hein, on va passer à moi quand même parce qu'à la base c'est ma vidéo. Ensuite, donc j'ai terminé hein, du petit Marseillais, le shampoing aux extraits d'ortie et de citron. Donc pour les cheveux regressent moins vite. Donc c'est pour les cheveux normaux regressent vite. Donc moi en fait j'ai les cheveux mixtes puisque j'ai les pointes sèches, non les pointes qui regressent et les racines qui regressent et les pointes sèches. Et celui-ci en fait quand je vous l'avais montré dans le haul, j'avais dit que je n'aimais pas l'odeur et finalement. Bon là ça sent un petit peu le pourri parce que bah, il y a encore de l'eau dedans et voilà. Mais finalement j'aime beaucoup l'odeur. Ouais comme quoi hein. Ah ma gueule. Bref hein, j'aime énormément l'odeur et donc j'irai racheter ça c'est certain. En plus de ça il est très agréable à utiliser, très frais et ça marche, enfin voilà ça marche plutôt bien. Ensuite j'ai terminé un échantillon. On avait une dans une box, dans la little box, je ne sais plus laquelle. De chez Kérastase, le Crystal List, bain cristal, shampoing perfecteur multilumière, pureté, fluidité, blablabla, pour cheveux longs et fins. Alors moi j'ai les cheveux mignons, enfin courts, enfin bref, épais. Alors laissez tomber quoi. Et ce produit, voilà, je n'aime pas du tout l'odeur. L'odeur est très bien. Ouais, l'odeur est très très bien. Ça par contre, il n'y a pas à dire. De toute façon, le produit Kérastase, je trouve ça va, ça sent bon. Mais voilà quoi, c'est pas du tout fait pour moi, cheveux longs, fins, voilà, pour moi je l'achèterai pas, c'est certain. Ensuite de chez 1, 2, 3, 4 experts, j'ai fini un shampoing pour les cheveux abîmés que j'aimais bien. Par contre, ce que j'aime, bah, l'odeur est très agréable, mais ce que j'aime pas c'est le... En fait au début je trouvais ça pratique, mais finalement bah, je trouve pas ça pratique du tout pour nous les filles, parce que bah... Faut appuyer vraiment longtemps pour avoir une bonne dose de produit, surtout ça sort pas beaucoup. Je le rachèterai pas, enfin pas celui-là, mais je pourrais en racheter un de la même gamme, il n'y a pas de problème parce que voilà. Et en dernier, j'ai terminé de chez Timothée l'après-shampoing dans la gamme nutrition intense pour cheveux secs ou abîmés. Donc c'est celui qui est en huile de noix, macadamia et avocat. Et il est vraiment super ce truc, enfin, j'en ai déjà parlé. Je l'adore, je vais le racheter encore et encore. Et c'est vrai que c'est vraiment un super après-shampoing pour les filles qui ont vraiment les cheveux secs, franchement foncés. Autant le shampoing, je l'aime moins. Je sais pas, l'odeur passe moins. Elle est moins concentrée et ça sent moins fort, quoi. Et mais autant l'après-shampoing, ouais.
tuerie quoi. L'après shampoing c'est une tuerie. Alors voilà pour mes produits finis. Voilà, donc sur ce je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à la prochaine vidéo. Bye bye.